coiffeur au Kenya, c'est fait. Allô. Petite course en tuk-tuk de bon matin pour rejoindre la vieille ville de Mombasa, donc c'est là où j'étais hier. J'ai donc décidé, déjà dans un premier temps, de prolonger mon séjour à Mombasa. J'ai pris une nuit de plus au même logement que là où j'étais sur ces derniers jours. D'ailleurs, vu que je m'y suis pris au dernier moment, j'ai payé un peu moins cher. Au lieu de 22 euros, je paye 18 euros pour cette dernière nuit. Et ce matin, je vais donc me balader voilà, dans la vieille ville et approfondir un peu la visite. How much is it for just two bananas? 24. Thank you very much. Pour le petit déjeuner, j'ai acheté des bananes à un vendeur ambulant. Il les vend pour l'équivalent de 5 centimes d'euros. Il y a plein de vendeurs de fruits ici sur les rues. C'est le cannelle bâton, c'est le mélange pour le couscous ou pour le colori. Tu connais pilau? Pilau? C'est quoi? Swahili colori. Oh, okay. Ah, ok. Swahili colori. Ok. C'est quoi le nom du fruit? Le fruit, le corosol. Corosol? Oui. Ok. Coco. Le coco, l'orange. Le fruit de la passion, du Kenya. Ok. With the rice. Excuse me. Yes. If I buy mango, can you cut it? You can cut for it now. It's possible? Yeah. How much is it for one? This is 1 to 40. It's same or okay? What's the difference? It's a. This is big. This is small. Okay. And how much is it? This. 30. Okay, I'm gonna take one, please. One. Yes. Okay, this. Thank you very much. Goodbye. J'ai fait un bon petit tour de la vieille ville. L'ambiance est incroyable. Franchement, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Mais c'est génial, franchement c'est génial. Par contre, c'est quand même un sacré bordel. Il y a énormément de tuk-tuk dans les rues qui passent de partout. Des stands étalés un peu n'importe comment. Les rues sont quand même bien éclatées. Enfin, il y a beaucoup de monde. C'est quelque chose quand même. Hein. Franchement, c'est un sacré truc. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance. Et là, je viens de m'acheter une mangue au bord de la route que j'ai payé seulement 30 shillings, ce qui fait à peine 20 centimes d'euros. J'espère que vous m'entendez bien parce que ça fout un sacré bordel avec tous les tuk-tuk qui passent. Enfin bref. Oh là là. Ah, franchement. Oh, le goût de la mangue, c'est incroyable. J'ai jamais mangé une mangue aussi bonne de ma vie. Enfin, vraiment, c'est juteux. Oh, c'est trop bon.
je viens de m'arrêter pour manger dans un petit restaurant juste au bord de l'eau et j'ai commandé un plat typique kényan. C'est du poulet biryani et la sauce c'est la même que celle que j'avais au restaurant hier soir avec le poisson là, que le truc était super bon et je me demandais ce que c'était. Et ben je pense que c'était la même sauce, la sauce biryani. C'est servi avec du riz en dessous et le plat coûte 450 shillings, ce qui fait à peu près 3,50€. On va voir tout de suite ce que ça donne. Ouais c'est bien ça, c'est vraiment la même sauce qu'hier. Donc je pense qu'en fait ce que j'ai pris hier c'était du poisson biryani. Biryani c'est juste le nom de la sauce. Et là avec le poulet ça passe vraiment bien. Le poulet et le riz là, franchement c'est trop bon. Et avec ça j'ai pris un jus de fruits de la passion. C'est tellement bon. Il vient d'arriver, je l'ai déjà fini. Franchement c'est trop bon. Je viens de demander au serveur avec quoi c'était fait le biryani. Et il m'a dit que c'était avec des tomates, beaucoup d'ail et beaucoup d'épices. Et franchement mais c'est super bon. Par contre ouais c'est très relevé. Enfin c'est pas épicé en fait, c'est juste fort on va dire. Il y a beaucoup de poivre et du curcumin il m'a dit. Donc voilà ça a beaucoup de goût. Et il y a aussi pas mal d'oignons dans la sauce. Je viens de finir de manger. J'étais vraiment trop calé au resto et c'était super bon. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller me faire couper les cheveux. Vous savez que dans tous les pays où je vais, je teste le coiffeur. Juste avant de manger, j'ai repéré un salon de coiffure dans la vieille ville par là-bas. Donc je vais tout de suite aller tester le coiffeur kényan et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Okay. I know a few words. I know jumbo. Jumbo. I know caribou. 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 Shukran. 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 Thanks. Asante. Asante. Also the same like shukran. Yeah. Thanks. Hakuna matata. No problem. Yes. And what you say it for? Say nice haircut. Yeah. Mio mzuri. Mio mzuri. Okay. I can teach you Swahili. Okay. Full Swahili. Really? And maybe cool. 1 week, you know everything. I will be fluent in Swahili. Yeah, you teach me French. Okay. Me, I teach you Swahili. Okay. You know some words in French? No, I don't know. No, you don't know? You know bonjour? Bonjour. Bonjour. Yeah, I had some. You know, it's like it's jumbo, you know? Yeah. Yeah. Bonjour. Bonjour, yeah. Bonjour, ça va? Ça va, yeah, I had ça va, you know? Yeah. Here some people say, bonjour, ça va? You have me. Okay. What means? Like they say, now you look good like a husband going to take a wife. Okay. Okay? Yeah, okay. Good? Perfect. Thank you very much. Asante. Hello, Jumbo. What is this? Fruits. Fruit mix? Okay. How much is it? 50 bowl. 50? Glass. 50 for a glass? Yeah. Okay, one please. 50. Oh, thank you very much. Et voilà, le passage chez le coiffeur au Kenya, c'est fait. Regardez-moi ce dégradé qui m'aura coûté l'équivalent de 3€, 500 shillings. En gros, ici, il te coupe tout à la tondeuse. Genre, il a à aucun moment utilisé le ciseau, même le dessus. Et après, il m'a fait les contours avec une lame, avec un rasoir. Ça a duré pas mal de temps, ça a pris une bonne demi-heure quand même. Mais voilà, c'est fait. Encore un nouveau pays qui s'ajoute à la liste des pays dans lesquels j'ai essayé le coiffeur. C'est incroyable. Le coiffeur au Kenya, c'est fait. Et je me suis arrêté du coup dans un petit stand pour prendre un verre de fruits broyés, enfin mixés. Il y a des bananes,
Oh, thank you. Elle me donne une cuillère parce que, ouais, en fait, il y a des morceaux de fruits carrément. Il y a du jus et des morceaux de fruits dedans. Ça coûte 30 centimes. C'est vraiment sur un petit stand, un petit oui-oui comme ça, au bord de la route. Ça passe hyper bien. Ça a vraiment le goût de banane. Et je sais pas ce qu'il y a avec du melon, je pense. They have melon? Banana melon? Papaye. Papaye. Oh, ok, ok. Banana. Ok, papaye, banana. Okay. Barafu, ice. Right, ok. I got sugar. Sugar, ok. Ça passe bien. Me voilà de retour dans la chambre, le soleil est en train de terminer de se coucher. En gros, voilà, j'ai pris un tuk-tuk pour revenir ici, je me suis posé un peu dans la chambre et pour le coucher de soleil, je suis allé sur le rooftop pour profiter une dernière fois de cette piscine incroyable. Parce que pour le coup, là, c'est vraiment ma dernière nuit. J'en ai profité aussi pour organiser un peu ce que je vais faire après, quoi. Donc c'est bon, je sais où je vais demain. Voilà, dernière journée à Mombasa aujourd'hui. Ça fera 3 jours. Que je suis ici, enfin 4 jours si on compte le jour où je suis arrivé, mais je suis arrivé de nuit. C'était des jours vraiment tranquilles ici en termes de visite. Voilà, j'ai pas fait grand chose, j'ai plus fait des journées plage, piscine, et aujourd'hui je me suis plus baladé et arrêté un peu au stand de fruits, enfin vraiment en mode tranquille. Mais j'ai beaucoup aimé franchement l'ambiance de cette ville. Après, il y a un truc qui est quand même assez chiant, en particulier dans la vieille ville. C'est que c'est compliqué d'avancer sans se faire alpaguer tous les coins de rue, quoi. Genre vraiment, la vieille ville, c'est vraiment l'endroit touristique ici à Mombasa. Donc il y a beaucoup de guides ou de rabatteurs, de choses comme ça. Mais comme il y a le coronavirus en ce moment, il y a très peu de touristes. Franchement, j'en ai quasiment pas vu. Du coup, forcément, je suis blanc, donc je me fais facilement remarquer ici. Donc t'as vraiment tout le monde qui me sautait dessus toutes les 5 minutes. Ça devient un peu lourd quand même, au bout d'un moment ça devient un peu chiant. Dans les autres endroits, il y a aussi, mais j'ignore les gens et ça se passe très bien, mais là vraiment, la vieille ville en particulier, c'était vraiment chiant, franchement à la fin ça m'a vraiment saoulé. Et ouais, particulièrement à Mombasa, je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent te parler par intérêt, quoi, juste pour te vendre des choses ou quoi. Alors qu'à Nairobi, toutes les rencontres que j'ai fait, c'était vraiment des vraies rencontres, on va dire, vous voyez, c'était pas juste pour me vendre quelque chose ou quoi. J'en ai fait ici à Mombasa, hein, bien sûr, mais enfin, de toute façon, ça se sent tout de suite, hein, au feeling, tu sais tout de suite si c'est pour te vendre un truc ou vraiment parce que les gens sont sympas. Mais ouais, par contre, ouais, à Mombasa, je sens qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont là pour essayer de t'arnaquer ou des choses comme ça. Après, ça se comprend aussi parce que c'est sur la côte et c'est très touristique. Ah oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai appris un nouveau mot en Swahili. Parce que à chaque fois, j'entends des gens, dès que je marche quelque part, j'entends souvent des gens dire « Mzango ». Surtout dans la vieille ville, aujourd'hui, je passais et il y a des gens qui me regardaient et ils rigolaient entre eux et ils disaient « Mzango » ou ils me regardaient et ils disaient « Mzango ». Du coup, au bout d'un moment, j'ai demandé à quelqu'un ce que ça voulait dire. Et en fait, « Mzango », en Swahili, c'est un blanc. Donc voilà, les gens, ils doivent pas en voir souvent en ce moment, avec le Covid et tout. Du coup, voilà, je me faisais vraiment remarquer, quoi. Vraiment, tout le monde disait ça, surtout les enfants. Dès que je croisais des enfants, ils étaient tous le regard sur moi et ils disaient « Mzango, Mzango », comme ça. Du coup, ouais, quand j'ai compris ce que ça voulait dire, ça m'a fait rire. Et ici aussi, je trouve qu'on t'annonce beaucoup plus des prix très élevés et que c'est beaucoup plus galère à négocier que quand j'étais à Nairobi. Par exemple, tout à l'heure, le coiffeur, quand je lui ai demandé le prix au début, avant la coupe,
Il m'a annoncé 3000 shillings. 3000 shillings, ça fait presque 30 euros. Genre, j'ai rigolé, je lui ai dit, écoute, je veux bien te donner un peu plus que le prix normal, mais 25-30 euros pour une coupe de cheveux, c'est, je dis, c'est les prix de la France. Genre, donc voilà quoi. Et après, il y a un autre gars qui est intervenu, qui était proche du salon, et il a un peu engueulé le coiffeur, en gros, je sais pas, ils se sont parlé en swahili. Et en gros, il a dû lui dire un truc du genre ouais, arnaque le pas, arrête d'arnaquer les gens, je sais pas quoi. Et du coup, à la fin, il m'a donné le vrai prix. Il m'a dit bon, ok, c'est 500, donc ça fait à peu près 3 euros. Mais bon, ça fait partie du truc, hein. Franchement, ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. J'ai acheté ce truc là, des fruits de baobab, il m'a dit, qui sont dans un genre de poudre. Et là, j'ai pris au citron, ils font ça à plein de goûts différents. Je les ai tous goûtés et c'est celui-là que je préférais. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est vert, hein. Je suppose que c'est au citron vert, puisque les autres étaient aux couleurs des goûts des fruits auxquels ils étaient. Il y en a des natures aussi, j'ai goûté, c'était pas mal aussi. Et ça se mange pas comme ça, en fait, c'est comme un bonbon, il m'a dit. Au début, moi j'ai croqué dedans, mais en fait, il y a un noyau à l'intérieur, donc faut faire gaffe. Et ouais, faut sucer ça comme un bonbon dur, genre. Franchement, je trouve ça trop bon. J'ai trop kiffé, du coup voilà. J'ai acheté cette boîte là pour 100 shillings, du coup ça fait 80 centimes d'euros environ. Voilà, après ça ressort un noyau comme ça et ça fait la langue toute verte normalement. Et pour le repas de ce soir, je suis venu dans le restaurant qui était le plus proche de mon logement. Je me suis vraiment pas pris la tête et j'ai pris un sandwich à l'avocat qui passe très bien pour 3 euros environ. Je suis venu en tuk-tuk, je sais pas combien de fois j'aurais pris le tuk-tuk ici à Mombasa, mais vraiment pour le moindre déplacement, je me prends pas la tête, je vais sur l'application Bolt et en fait tu peux commander un tuk-tuk directement sur le téléphone quoi, sur Bolt, c'est l'application l'équivalent d'Uber et en 2 minutes ils arrivent, ils viennent te chercher. Là par exemple, le trajet c'était à peu près 5 minutes en tuk-tuk, ça coûte à peine plus de 50 centimes d'euros. Franchement, il passe bien. De retour dans ma chambre après, encore une fois, une petite course en tuk-tuk. C'était aujourd'hui la dernière journée à Mombasa, je vous l'ai dit, demain je pars vers un nouvel endroit que j'ai vraiment hâte de découvrir. Un gros merci aux tipeurs du jour, Johan, Moïse, Jonas, Mathias, Jennifer et Roland. Un gros merci à vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo vers une nouvelle ville. Allez, ciao.